Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on est bientôt 400. C'est sympa. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas très très beau, mais bon, on fera avec. Hein. On se retrouve avec la CSRS. Donc, hier, il y a eu un très gros travail, de fait par Saint-Offert, celui qui l'a fait. On a changé le réacteur de chauffage. Voilà. Je vais vous faire voir d'ailleurs l'ancien comment il était parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Voilà la pièce en question. Ah, il présentait bien. Hein. Bon, là, c'est, je l'ai jeté tout à l'heure, c'est pour ça. Quand même. Mais regardez le trou qu'il y a. C'est du propre. Hein. Non, tu m'étonnes que ça fuit après. Ah, la calandre de la TRD. Bon, je ne peux pas la mettre aujourd'hui parce qu'il faut couper le capot, mais voilà. Je la mettrai dedans tout à l'heure. Je vais la ranger si on me la pique. On va foutre ça en quelque part. Un peu plus, un peu moins. On n'y verra pas la différence. Donc voilà, le chauffage est réparé. J'ai réparé aujourd'hui aussi. Hors caméra, c'est pas bien intéressant, vous l'avez vu, les fuites. Voilà, j'avais encore un autre tuyau de niquer. Alors je ne sais pas si ça s'est fait avant ou après, ou ça y était, je ne l'ai pas vu, parce qu'il était caché par un autre, c'est possible. Là, techniquement, il n'y a plus de fuite. Voilà. Techniquement, j'ai même dit, hein, parce que si un rat qui est en train de casser la croûte, je ne le vois pas. Quoi. Donc, elle est opérationnelle pour aller à Cahors, proprement dit. Logiquement. Et, à voir. Là, je vais la prendre à laisser... Je vais peut-être rouler un peu cet après-midi avec, voir comment elle se comporte. Je sais pas, je vais voir. Ouais. Et là, je voulais remonter les pièces de ma 14 que j'avais piquées hein, dessus. Donc le Neyman, je l'ai fait. Là, il reste le carbu et la pompe à essence. On va aller faire ça tout à l'heure si vous voulez bien. Voilà. Là, on va voir comment elle roule. Là, ça s'intéresse. Je cherche une petite route pas loin là pour faire des plans qui roulent. Mais je sais pas où. Parce que le chemin là-bas, ils l'ont fermé parce qu'il y a une trop grosse flaque. Le chemin où on va avec Pierre Lipérin. Là. Là où je vais avec la 306, c'est trop loin et puis il y a trop de gens le week-end. Là ils vont croire que c'est du terrorisme et tout. Faut attention. Là. Les gens qui sont vraiment très faibles d'esprit, donc j'ai pas envie de tomber la bêtise. Déjà que la voiture a fait pitié. Et qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais demi-tour, il repasse et tout. Tu sais. Il y en a, ils comprennent pas que tu fais une vidéo, que tu es passionné de voiture. Et eux, ils voient que ce qu'on leur montre à la télé, quoi. Qu'il faut se faire enfiler tous les jours et tout. Ça ils sont d'accord avec ça. Pas moi. Moi, je préfère faire un tour à ma BX, c'est comme faire enfiler. Par le gouvernement, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est la vie. Ouais, j'aurais bien aimé faire un petit tour avec. Ouais, mais putain, je sais pas où elle est. Puis, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que si? Est-ce qu'il n'y a pas un rat coincé là, je sais pas où? C'est un peu compliqué. Faudrait une route pas très loin, quoi. Si je tombe en carafe, que je puisse rentrer facilement. Ah, il y avait les poulets, là. On va aller peut-être faire un peu la mécanique sur la 14 et puis après on fera un tour de BX, de CSTRS. Ouais, ou alors là-bas, ouais. Je sais pas où je vais vous mettre. On va démarrer déjà. Ah oui, j'ai réglé aussi un peu, enfin j'ai essayé de régler le carbu. Il y avait un tuyau de dépression qui n'était pas branché au carbu, qui va à l'allumage, le même que j'ai remarqué qu'il y avait un problème à la 14 que je sauve de la casse. Je n'ai pas plus avancé sur cette voiture d'ailleurs parce que je ne sais pas comment faire. Déjà Saint-Offert n'est pas là et puis je ne sais pas comment faire quoi. Est-ce que je mets un mix de tuyaux d'Uran dessus et je bricole à côté ou j'en change que deux, je ne sais pas comment faire, j'en sais rien. Je sais pas du tout. C'est un peu la merde. Hein. Ouais. Et la semaine prochaine, logiquement, je pars à Cahors avec celle-là.
avec cette vieille dame. Cette vieille dame de 83. Moi j'aime bien moi, cette voiture, elle est pas réparée, mais bon. Très très bonne voiture, hein. Une fois qu'elle est réparée, bien entendu. Faut que je remette une antenne comme j'avais là, comme j'avais sur la TRD. Une antenne qui se déplie là, vous savez. On peut l'allonger, la raccourcir, c'était une option ça aussi. Elle y était sur celle-là. Je l'ai mis sur la TRD, comme elle roulait pas, je l'ai puni de cette manière. Ouais. Donc il faut que j'en trouve une, si jamais vous en connaissez une quelque part, ou un pote qui en a des pièces comme ça, et je cherche une antenne qui se déplie. Comme il y avait sur les Visa, sur les BX phase 1. 305 peut-être aussi, je sais pas. Il y avait quelques modèles qui avaient ça. Pas que les BX. Voilà. Hormis ça, pas plus quoi. Pas plus, pas plus. Ils ont annoncé la neige à 500 mètres demain. Je pense pas qu'il va bien neiger en fait. Ça m'étonnerait. Mais faut prévoir le coup quoi. Mais bon, celle-là est prête. Bon, par contre, il n'y a pas le contrôle, je crois. Je sais que je le dis chaque fois, mais je crois qu'il est permis. Je suis pas certain, mais il me semble. Et les voitures qui sont en règle ne marchent pas. La TDO, il y a le chauffage qui a pété aussi. Il va le faire, là, d'ailleurs. Faut que j'y laisse, la voiture. J'ai la pièce, j'ai tout. La TRD, il y a le moyeu, là, que je change toutes les 5 minutes et il y a toujours du jeu. C'est pas un sacré problème, cette voiture. Donc c'est vraiment pas commun de la changer là-dessus. Les fuites, il y en avait bien une paire encore. Une paire, ouais. Certainement les mêmes tuyaux que celle-là, hein, que j'ai pas vu qui était grignoté. On le voit à peine hein, que c'est grignoté, mais ça suffit pour pisser. Quand la voiture baisse, eh bien, ça fuit. Là, la voiture y est pour rien, hein. C'est les rats qui sont. Tout le monde est infesté de rats. Tout le monde. Et dans les villes, c'est pareil, ça rentre par le placo, ça te nique toute l'isolation. C'est pas rien que moi, c'est tout le monde. Tout le monde est. Voilà. T'as beau voir des chats, t'as beau voir des renards qui traînent, mais voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Je sais pas trop où aller. Putain, j'aurais aimé faire un plan de la voiture qui roule. J'en ai jamais fait avec celle-là. Et ça pourrait être sympa, quoi. On verrait les rats et tout qui traînent, hein. C'est marrant. T'inquiète pas pour moi. Voilà. Hein. Question voiture que je trouve, parce que moi je suis toujours sur le bon coin, mais je fais que ça, quasiment. J'ai trouvé une Airon TXE phase 1, à la même gueule que celle-là, la TGE, là, 400 roues. Donc je pensais mettre le moteur sur la GTX rouge, et la caisse, ce sera une caisse pour le Broadway, parce que le Broadway, j'ai envie de l'arrêter. Voilà. Il y a le Masterback qui est en train de lâcher, la caisse est pourrie de chez pourrie, mais vraiment à l'arrière, elle est. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ou alors on a mis un truc qui a fait rouiller la caisse, mais je vois pas quoi. J'ai jamais rien mis dedans. Je sais pas. J'ai envie de changer la caisse et de la repeindre pareil. Le même bleu mental ou pareil. Et inscription Broadway, comme si c'était celle-là. Quoi. Et en plus, elle aura les vitres électriques. Ce sera nickel. Ce sera belle. Mais elle restera avec moteur d'origine. Carmelo, je te vois arriver, il n'y aura pas de turbo D, il n'y aura pas. Non, non. Je veux un moteur qui barine. Voilà, voilà. Ouais, DBX et Lampagaille. Hein. Là, je parle à une TRD turbo en ce moment avec ABS, qui est très très belle, mais elle est restée trop longtemps dans les Bartas, je pense. Elle est dans le gare, elle rouillera pas, c'est pas la question, mais là c'est sûr, t'as tout l'hydraulique comme la 14, hein. C'est le même truc. Hein. C'est dommage, voilà. Elle vend trop cher déjà, donc j'ai dit, j'ai fait un petit cours d'économie parce que y en a, ils croient, ah putain, j'ai un BX, ça vaut cher, non, non, détrompe-toi. Moi j'en vois une, 800 balles, personne n'en veut, avec le moteur qui tourne impeccable, chaussée à neige, tout, personne n'en veut. Et eux, ils te vendent la même, mais ça n'a pas marché de 20 ans, qui démarre pas, 800 balles aussi, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter les conneries. Hein. Mais bon, c'est la société d'aujourd'hui. Hein. On veut t'enfiler avant que tu puisses le faire. Hein. En gros, c'est ça. Moi, ça me dégoûte, vraiment. Je suis dégoûté de tout. Un tracteur, oui, alors j'ai mis un tracteur en short. En vidéo short,
Il faut savoir que c'est un modèle que je recherche, qui est dans le tarif que je cherche aussi. Il n'est pas trop, est-ce qu'un, pas trop, comment on appelle ça? Il n'est pas trop massacré. Alors, il manque une paire de vitres, mais c'est normal, c'est un truc de TP. Donc voilà, et les vitres, ça pète en premier, hein, c'est con. Hein. Il a le gros godet devant et tout, là, putain, avec ça, là, mon porc, je vais me régaler, là, mon porc, je vais faire un bunker et tout, t'sais. Non, je rigole. Et c'est un 3 cylindres, comme j'aime. Ouais. Là, quand il démarrait, il n'avait pas démarré de 20 jours, je crois, il m'a dit, le gars. Il m'a envoyé la vidéo. C'est le gars qui a fait la vidéo, c'est pas moi. C'est pour ça qu'elle est bizarre, hein, qu'il n'y a pas de bonjour, comment allez-vous et tout ça. C'est normal, on me l'a envoyé comme ça. Donc, le vidéo des R11 qui traîne aussi, pareil, on me l'a envoyé. Donc, moi, j'ai fait que la partager, quoi. Et là-bas, ça sera très intéressant, ce nid des R11, parce qu'en fait, j'ai fait une vue Maps, satellite. Il y en a partout des bagnoles. Il y a une quarantaine, cinquantaine de bagnoles, des deux côtés de la route. Et c'est pas très très loin, c'est à 1 heure de chez moi, ou presque 1 heure et demie. Le climat est sec, donc elles seront pas rouillées, les voitures. C'est impeccable. Je languis d'y aller. Ouais. Mais pareil, il faut qu'il y ait Saint-Offert et tout ça, quoi. On fera une virée, quoi. Et à ce que j'ai compris, c'est surtout les phases 1 qu'il y a. Je pense il y a une TXE en premier plan, et après peut-être des sociétés. Ouais. Ça serait marrant. Là, j'ai pas fini encore. Je vais délirer. Toutes les sociétés là. Après, on sait plus quoi en faire. Non. Bien que voilà quoi, j'en ai une là qu'un copain est intéressé. Là, on va voir. Voilà, on va voir. Ouais. Après, voiture qui traîne, c'est tout ce que j'ai. Toutes ces R11, il y a quelques BX aussi qui me parlent. Il y a une 16 TRS phase 2 dans le 63, grise comme celle-là, mais phase 2. Elle est à vendre pas cher, j'aurais peut-être 200 euros. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je la remets en état, je la revends. Voilà. La 14, finalement, je crois que je vais la garder. Peut-être que je vendrai la même, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, je ne sais pas. Si je vends la mienne, je la vendrai dans les 500, 600. Elle vaudra très bien parce que j'ai quand même changé le moteur et tout. Hein. Donc voilà. Le carbu a été refait à 9. Ouais, c'est pas une poubelle, quoi. Elle a 80... 90 000, je crois, cette voiture. Elle a rien du tout. Hein. Le moteur a exactement le même kilométrage que l'ancien. Quasiment. Donc, voilà. 5-600 avec contrôle, voilà. Le garage, mais je sais pas. Je vais demander à un pote qui a fait auto-entrepreneur là-dedans et qui est là-dedans. Il va me dire exactement comment on fait. Parce que moi, j'ai essayé de le faire à ma manière sur Internet. Et sur Internet, je me fais toujours avoir. C'est malheureux, toujours, toujours. Parcours à entrepreneur, il ne faut jamais aller chez vous. Jamais. Là où vous faites niquer, c'est pas comme. Moi, le but, c'est de pouvoir acheter et vendre des voitures au plus vite. Parce que j'en ai trop à sauver. Ce sera des voitures pas trop chères. Et, voilà. Vous avez vu le temps qu'il fait là? Il fait un certain vent. Hein. Voilà, on est déjà à un quart d'heure de social. Je pense que ouais, je pourrais faire un stand social, moi, quand même. Non? Je rigole. Non, j'ai encore quelques trucs à bûcher. Voilà. Bon, ben, je vous propose ouais, de faire un petit saut avec cette voiture. Je suis bien content qu'elle aille bien. Parce qu'elle revient de loin, que celle-là. Vous vous en rappelez, hein, quand elle tournait bizarrement, on aurait dit que le moteur était mort. Et finalement, il va très bien, ce moteur. Hein. Ah oui, là, j'ai remis de l'éthanol, hein, parce que vu le prix de l'essence, ça vient quoi. Donc là, un petit peu à froid et de conne, après ça va mieux. Mais elle démarre bien quand même. Là, il n'y a que l'éthanol. Hein. 179 000. Il y avait un problème au feu arrière, les veilleuses ne marchaient pas, je l'ai réparé. J'ai réparé ça aujourd'hui, j'ai réparé un tuyau bouffé. J'ai remis une pastille de châssis là, il manquait une pastille, comme ça l'eau ira pas dans le plancher quand je roulerai, parce que cette voiture elle va rouler partout dans la merde. Voilà.
on va se régaler quoi. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que la courroie hydraulique patine. Je pense que je vais la retendre. C'est pas bon du tout. La jauge marche, il y a tout qui marche. Le chauffage, il fait chaud. Ah oui, je voulais regarder un truc aussi. Je vais peut-être mettre la radio de la TRD, bon, la vieille radio, ça va faire joli. Au moins je pourrais aller partout et tout écouter Totem. Oh là là, ça va être très bien. Allez, je la sors et je vous reprends. Ouais, voilà. Bon, on est dans le pré là, vous l'avez compris. On va fermer peut-être la fenêtre parce que je vous dis pas le bordel. Peut-être je changerai les gicleurs carbu pour qu'elle puisse mieux rouler au truc là, au 85. On verra. Pour l'instant, moi je veux qu'elle roule. Voilà. Si elle roule comme avant, moi je suis content. Avant, j'allais à Rodez, j'allais partout quoi. Chercher des pièces, des trucs. Elle roulait très bien à l'époque, hein, donc il n'y a pas de raison quoi. Là, je veux que ça retourne. Voilà, alors on va regarder un peu le faisceau que j'ai. Est-ce qu'on est voilà, en 9e? Non, on n'est pas. Alors, attends. Est-ce que le petit Michel a fait le con avec le faisceau ou est-ce qu'il a pas fait? Tu vois? Est-ce que le petit Michel a fait le con? Eh bien, je sais pas. Je pense pas. Le fil jaune, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la détonation, je crois. Voilà. Alors, la détonation, bon, d'accord. Ah, là, il y a un plus, là, mon pote. Hein. Ah, ouais. Ben, déjà, j'ai trouvé le plus. Hein. J'ai sursauté, même. C'est un plus permanent, ça. Il y a l'antenne, il y a tout. Garce, mais ça fait peur. Hein. Moi, je suis pas très à l'aise avec les postes. On voit ça, d'ailleurs. On voit ça. Et ça serait pas le même cigare, ce fil? Non, il est branché, apparemment. Putain, mais ça fait peur, hein, cette histoire-là. Ça pourrait prendre feu. C'est un petit peu coquin, ça. Hein. Pourquoi pas y mettre quelque chose pour l'isoler, celui-là, là, parce que... D'un coup, il y aura plus que l'hydraulique à réparer. Il y aura quasiment le chauffage tout le temps, quoi. D'ailleurs... Ouais. Bon. Je sais pas si on va pouvoir faire grand chose avec ça. Peut-être on va reprendre le fil qu'il a bricolé. Ça va être les enceintes, je pense. Et les deux autres idiots là. C'est-à-dire qu'il faut y faire un peu gaffe à l'autre. Hein. Il est coquin, il a. Ça va être la masse. Lui en tout cas c'est pas une masse, ça c'est sûr. Parce que vu le feu qu'il fait. J'aime pas bien ça moi les fils comme ça là. Je prends une secousse, ça touche un autre. Bon, après tu me diras, il y a un fusible pour protéger, mais. Je sais pas si c'est bien bon. Eh bien. Ah, faire comme Manu, voilà. Je fais suivre toujours une pieuvre entière derrière que j'ai été récupérer à Saint-Flour sur des voitures d'un pote. Il y en a deux. Lui en fait il les a achetés pour les moteurs, c'était turbo 2. Donc il n'a pas besoin de l'hydraulique, il me donne tout, les capots, tout. J'en ai un autre aussi qui m'en donne des pièces. Mais bon, après c'est ça qu'il faut voir. Quoi. Bon, on y va. Hmm.
il y en a un qui dit qu'elle tourne mal, mais c'est normal. Non, je veux vraiment se régler. Moi, je n'apprête pas au tir, c'est rien que pour moi. Il y a 4 bougies neuves, 4 électrodes, allumage neuf, tout est neuf à cette bagnole. Mais bon. Mais voilà quoi. Il y a peut-être trop d'avance, trop de. Je sais pas. C'est. Voilà, pour l'instant, moi je veux qu'elle roule, qu'elle suit pas. Après, on peaufinera un peu les réglages. Ça là, il faut refaire les pas de vis, les rotules, suspension. Ouais. Pareil, l'hydraulique, faut vérifier. Elle est descendue côte devant hein, depuis. Ça fait un mois et demi quasiment. Ou peut-être moins, mais voilà. Elle est en bonne forme. Hein. Le poste est dans celle-là, on va regarder peut-être, hein, je sais pas. Ou alors on. Mais le pire c'est qu'il était branché je crois là-bas. Je sais pas comment faire. Je crois qu'il y en avait une en plus radio en structure. Je vais virer. Hein. En plus ça, je pense qu'on je trouverai quelqu'un pour le faire. Hein. Mais bruit bizarre quand même. Je sais pas s'il n'y a pas les ratas à l'intérieur de bord. On va le brancher le plus, le ratas. Il ira dire à ses potes, putain ça craint là-dedans. On peut plus y aller. Et ouais, là il manquait le truc du Neyman. Là. Moi j'aime bien le mettre ça. Parce que là, c'est définitif, là, j'ai changé. Avec ça, ce sera un peu plus joli, tu vois. Voilà. Ouais, là, sans déconner, 5-6 secondes, ça m'a j'ai mis. Très facile. Bon. Il y a encore quelques trucs pétés, tu vois, la manivelle du rétro. Ça, c'est pas moi qui l'ai pété, je crois que ça a été déjà. Hein. Nous, on a changé les vitres, on a changé quelques trucs, quoi. Mais sinon, j'ai rien cassé de cette manière-là. Elle était comme ça. Mais c'est vrai qu'une paire de housses, ça ferait moins pitié. L'ancienne distribution elle est là. Voilà quoi. Non mais moi j'aimais bien cette voiture. Je compte pas la laisser tomber. Hein. Voilà. Bon, on va aller faire un tour de la 14. Allez, on se retrouve dans la 14. La mienne. Je vais travailler tous les outils. Parce qu'à force, si tu as travaillé sur une, tu fais suivre les deux caisses. Après, comment les outils. Tu vas chercher une clé, après tu reviens, après tu remontes un truc, donc je préfère tout prendre, mais au moins il n'y a pas d'histoire. Oui, c'est casse-couille. Voilà, hop, elle est pas en meilleur état que l'autre, hein, mais j'aime bien celle-là aussi. Très très bonne voiture. Mais ouais, elle est vraiment pas dans le même état. Là, vous voyez, il y en a un qui a pété le cache. Pourquoi, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pété. Il y a un angle qui est pété. Cette bagnole a du vécu, vraiment. Mais le mec avait 80 et quelques années qu'il avait. Donc celle-là, elle avait les sulas arrière. C'est une 14 RE, celle-là. Et l'autre, c'est une 14 E. J'ai mis un tour minute à cette bagnole. Qui marche, hein. Tour minute qui marche. Voilà quoi. Par contre, j'aime pas les enjouiveurs de rouge, je les aime pas. L'autre 14, elle a les bons enjouiveurs noirs et tout, là, comme j'aime. Mais celle-là, elle a des mini en fait. C'est juste là où il y a les boulons quoi, en fait. C'est pas solution. J'aime pas. Et là je viens de voir une leader aussi, ouais. Quelqu'un qui retape une leader sur je crois Facebook il me semble. Et les leaders c'est les boîtes 4 hein, apparemment. C'est vraiment la BX de base. La BX de base, elle a même pas le double corps, elle a pas de 5e vitesse. Et je sais plus quoi d'autre encore. Il n'y a pas le retour à droite, il n'y a pas
il manque tout un tas de choses, c'est pas intéressant quoi. Mais bon, en fait c'est comme les R11 Spring et Broadway, c'est des bas de gamme relookés pour les faire passer quoi. La Leader qui a été remplacée par la Calanque après. La Calanque c'était les Série 2, parce que la Leader a existé en Série 2 aussi, jusqu'en fin 87. Après c'était la Calanque. Qui était moins belle la Calanque. Moi je n'aimais pas trop, j'avais un copain, mon père qui en avait une, diesel. Donc c'est ça. C'est exactement cette voiture là, mais avec des décorations Calanque. Voilà. Et les badges en plastique, parce que là c'est en ferraille. Hein. Même pas, c'est les peints, c'est peint sur la Calanque, la Leader aussi. C'est peint, c'est des autocollants. Voilà. Bon, on va reprendre un peu le fameux carton que Saint-Offert a réparé les pièces. Il est pas là, mais il s'en fout que je fasse ça. Il voulait pas que j'aille à la boue tout seul avec la CSTRS. Donc j'y vais pas, hein, ça me démange. Je vous cache pas que ça me démange. Mais bon, il y aura d'autres occasions. La vie va pas s'arrêter ce soir. Hein. Voilà, ça c'est tout ce qui m'a réparé. On a piqué sur celle-là. Enfin. Non, ça c'est les pièces de celle que je répare. Parce que moi, ma pompe à essence est en plastique. Il y a encore les anciens trucs. Ouais. Alors je sais même pas où c'est qu'est l'arrivée, ni même. Ah, mais les flèches. Voilà. Putain, ça sent le produit bizarre. Hein. Je regarde parce qu'on dirait vraiment un carbu de 16. Ouais, c'est récent, vachement. Sauf qu'il y a une prise en plus. Parce que je vais trifouiller le mien là-bas. J'ai essayé de régler, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait pas la dépression. La dépression, elle est là. La dépression, c'est ça. Ça va à l'allumage, ça. Non, c'est pas trop pareil, j'ai l'impression. Parce que là, tu as un réglage, là. Celui-là, je ne l'ai pas vu sur la 16. Mais par contre, j'ai vu celui-là. Celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai touché, d'ailleurs. Ouais. C'est pas trop les mêmes, j'ai l'impression. Et on a essayé de démarrer, après. Donc, il faut que j'enlève la BXD. Parce que je suis sûr qu'elle ne démarre pas. Je connais trop. Mais bon, les pièces, ils seront. Et oui, allez, on attaque. On va ouvrir le cabistou. Allez. Je vais vous mettre, je sais pas où, peut-être là. Peut-être que vous allez tomber. Alors sur le toit de la voiture. Sur le toit de la voiture. Allez, vous allez rester par là. J'avais tombé. Voilà, moi quand je sais que je reviens, je remets les boulons, tu vois. Là, et j'en avais perdu un, mais je sais pas où il est. Ça, je sais pas où je l'ai mis, ouais. Normalement, j'ai tous les boulons là pour. Tu vois, là, ça c'est la pompe à essence. Là, il y a bien quelque chose qui a marché dessus parce que. Non, c'est pas la pompe à essence. Quelque chose qui va pas bien. Et non, ils sont là, la pompe à essence. Alors, les autres, je sais pas ce que c'est. Je
J'en sais rien ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé au niveau hydraulique, que j'avais refait celle-là. Peut-être dessous, ils ont dû en grignoter le père, ces enculés d'affaires. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, le démarreur aussi. Ah mais j'en ai un, je crois. Ah oui, j'en ai un. Je vais aller voir ça. Je vais remonter cette voiture et puis on arrêtera un peu les choses débiles. On démontera plus de voiture comme ça. Parce que j'aime pas ça. Peut-être que je vais chercher un bidon et je vous mettrai là. J'arrive. Et voilà, un petit bidon que j'avais récupéré. J'adore les bidons, moi. C'est bien que je suis bidon. Hop, voilà. Alors, les pièces. Le calculateur. Ça va, ça n'a pas étonné, ça a perdu un accès. Ah, là, c'est vrai que c'est tout qui est. Ça c'est si on peut le voir, je sais pas. Encore qu'on le voit. C'est bon pour le monter. Attends, je suis en train de faire une connerie. Trop pressé. Le gâteau. Bien ce que je disais. En principe, les rondelles, tu les mets dessus. Pas dessus. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je n'ai pas pensé. Je suis dans la lune, je pense à ça. Une rondelle à chaque machine. Voilà. Un petit aigu. Un aigu. Voilà, vous avez compris, hein, je vis ça et je vous reprends. Bon, voilà, de retour, j'ai monté ce que j'ai pu. Hein. Il y a des trucs que je pourrais pas mettre parce que il me manque un câble sortir, je sais pas où il est, j'arrive pas à le trouver. Il me manque un vis au carbu. Le filtre à essence, le faisceau filtre à essence qui va à la pompe à essence et au carbu, je l'ai pas. Donc voilà, on va arrêter là-dessus parce qu'on peut pas faire mieux. Je remonte à la pompe essence. Voilà. Voilà, je peux pas faire mieux. C'est pas la peine. On n'insiste pas. On range les outils et je vais passer sur l'autre voiture. Voilà, il me manquait ces trois vis. Ouais. C'est les vis qui maintiennent l'échangeur à la BX blanche.
Je ne les avais pas, j'ai été le chercher sur une épave. Donc on va les monter ça. Comme ça l'échangeur sera monté, bloqué comme il faut. Parce que jusqu'à présent il ne tenait pas. Et tout ça c'est pas bon. Hein. Celui-là est peut-être un peu trop gros. Je vais essayer de le mettre quand même. Ça m'étonnerait qu'il y aille. Du coup, c'est le plus con à mettre. Ah, il se visse. Et ainsi, ici. On a l'air plus gros. Hein. On va pas le lâcher. Ça ne coule pas bien. Non, ça tu le vois que c'est pas le bon vide. Ça n'a jamais été très bon. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu me sens toujours. Ça sera mieux qu'on ne pas en avoir, tu me verras. Regardez comme ça force pas trop. Oh, il y a encore un tuyau en bas. Hein, putain. Ah oui, ça va dépasser. Ça dit ça passe. On ne mise pas plus parce que c'est sympa. C'est pour mieux parce qu'il n'y en a pas. Mais je ne suis pas rassuré, hein. C'est pas le bon. Pas le bon truc. Alors, il y a des questions. Le câble de starter à mettre, le démarreur, c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais est-ce que ça va être le même, je ne sais pas, on va aller voir, on va aller voir ça mon gars. Alors là j'en ai un là, tu vois. Faut que je remonte le siège parce que ça n'a pas l'air de venir de là le problème. Je regarderai ça à tête opposée, bien entendu, etc. Ouais, les sièges sont pas terribles. Hein. Peut-être je les ferai refaire, je sais pas. Ça c'est le soleil qui les a niqués. Hein. Ça se voit bien, ils sont tous. Il n'y a pas mort d'homme, moi je sais que ça ne ferme pas. Il y a plus grave. Encore un GT, putain, j'en ai combien. Un des malheurs. Alors celui-là, on va essayer de le faire péter. Parce que c'est pas dit que ce soit le même. Démarreur 13, bizarre et tout ça. Peut-être c'est pas trop le même. Parce que cette voiture, en fait, le problème qu'elle avait, cette GTI, hein, c'était la masse, le fil de masse, qui allait à la batterie, quoi, qui déconnait. Et comme un con, moi j'ai changé le démarreur quand même. Donc,
celui-là est peut-être bon. Voilà, c'est pour ça que je me permets de l'essayer. Parce que je sais que c'est un démarreur essence. Maintenant, est-ce qu'il va sur une 14? C'est pas dit. Peut-être que je me trompe totalement, mais je ne sais pas. Il ressemble en tout cas. Il ressemble vachement. Voilà, on va voir. Ah oui, et celle-là, ce qui m'est arrivé, le Saint-Offert, il m'a cassé la clé. C'est la clé toute neuve, c'est là que j'ai fait. À Waldom, je l'ai fait faire. À Waldom, ils font des clés de voiture. Pas cher. C'est impeccable, je suis content, elle marche impeccable. Le gars n'était pas sûr, il m'a dit peut-être ça marchera pas, mais finalement si. Voilà, on va tester le démarreur avec la 16. On verra bien. Le moins, c'est le moins, forcément. Hop, ça sera bien. Ça, je ne sais pas où on le met, peut-être là. Donc ça en même temps peut-être. Alors je sais qu'il faut faire toucher les deux. Non, il bloque. Ah non, attends. Il marche impeccable, j'ai changé pour eux. Quel abruti que je suis. Le gros des cons. Le roi des cons, le roi des cons. Bon, je l'avais en stock, hein. C'est ça que j'ai changé. Mais... Et là, je suis vraiment. J'ai changé pour rien, ça, j'étais. Parce que celui-là, en plus, il fait le bruit que j'aime. Là, je crois que c'est un pari-ron, celui-là. Parce que moi, je suis maniaque sur les démarreurs. Ça, c'est pas le bruit que j'aime, après, ça prend feu. Attends. C'est que c'est marqué Strasbourg, tout ça, là. Bon, ben, je sais pas. Il est tellement vieux, ce machin. Ça, c'est le démarreur de la GT16. Je crois que c'est un pari-ron, oui. Il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien. Je sais pas. Voilà, on va essayer de le mettre sur la 14. Je vais essayer de vous faire voir en même temps, mais ça va pas être évident. Il aurait fallu que... Parce que, ouais, je sais pas. De toute façon, je vous ferai voir si ça s'y met correctement. Je vais rapprocher le pupitre. Putain, mais elle est bien lourde cette caisse. Car c'est jamais la vie. Oh. Allez hop, en bas. Ça te fait pas moins mal une. Voilà, tu vois, de suite ça va mieux. Voilà, je peux pas faire mieux. On va attraper là l'autre idiot. Alors, on avait sorti droit, il me semble. Comme ça, là, oui. Il a l'air un peu gros quand même. Hein. Je vous cache pas que je pense pas qu'il y aille. Je pense pas, je pense pas. J'en ai une paire de démarreur essence. Pas beaucoup. Il n'est pas coupé comme quoi que ce soit. Voilà, tu lâches la droite. Et c'est quoi ce système qu'il doit faire? Ah oui, le thermocontact. Voilà,
Mais ça c'est quoi ça? Ah, le vieux mort. Eh ben saloperie. Ça va. Là, on va le tenir un peu par les oreilles. Alors. Normalement, ça serait comme ça. Non, c'est pas possible. Non, on n'y va pas, je pense. Les trois boulons sont comme ça et non, non. Il va pas. Je m'en étais. C'est pas pareil, c'est pas. Un XU, c'est pas un XY. Ça va le voir. Ça, c'est une même erreur. Déjà, les 16, ils n'allaient pas sur les 19. Je sais. Enfin, sur les diesels, quoi. Il est trop gros, ce machin. J'aurais essayé. Voilà, c'est tout. J'aurais essayé. Pour essayer, et puis le problème c'est que j'en ai pas eu tout de mort. Ah, mais attends, on va aller voir l'ancien, il est de la grange, je crois. On va aller voir ça. J'ai ouvert la TZD là pour mettre les vis. Je vais escamper par là. Il n'a pas de bien loin. Il aurait fallu que je prépare le moteur à Saint-Offert, mais j'ai pas le temps. Je préfère qu'il soit là, comme ça. Il le fera. Alors attends, on va allumer la lumière. On va allumer la lumière. Et il vient là, toi. Il y a un bordel. Là, impeccable. Alors, où c'est qu'il est l'artiste? Je vais escamper et il est là. Regardez, il se cache, c'est un fleur. Une enflure, ils sont pas pareils. Hein. Il a manqué trois quarts là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on va les comparer. Certain que ça arrive. Voilà. On voit bien qu'il y a un petit souci là quand même. Là, l'ouverture elle est là. Celui-là, si on le met pareil que l'autre, l'ouverture est pas trop pareil. Là, on le voit bien quand même. Tu vois, c'est pas du tout le même. Donc, ça, c'est un démarreur. Le XU, je vais marquer OK d'ailleurs dessus. D'ailleurs, je devrais le mettre sur la, dans la 16. Non, peut-être pas dans la 16, dans la TRD. La TRD, pauvre. Voilà, je vous reprends. Voilà, on marque les pièces parce qu'après, je m'en rappelle pas. 16S, voilà. Bon. J'ai trié un peu mes barreurs et je suis tombé sur un qui est identique au 14. Voilà. Et je pense que c'est celui-là 205 que j'avais. Voilà. Donc je mets pas le bruit, mais tant pis, ça dépannera. Au moins il marchera et je vais regarder s'il y va. Là, il devrait y aller.
sais qu'on a bien le 205. J'ai pas envie d'en acheter un seul. Sauf pour réparer la bagnole qui marche toujours pas quoi. C'est tout ça le truc. Ici là, en bas. Là, alors, on a réembarqué un peu quand même, si tout va bien, on est sur le vent aussi. Pas dire que c'est parfait, mais ça y va quoi. Je pense que ça y va. Là, j'ai fait prendre un vis. Tu vois, là, il est pas plaqué, c'est normal, il est pas vissé, mais il y va. Tu vois, je fais prendre le premier vis là. Et en route. Trop court ou quoi cette affaire? Niveau purée. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dans les poches, mais je te garantis que les conneries de merde. Ça c'est quoi? Le QLN. Voilà. Moi j'aime bien travailler, tu vois. Ça ne me les casse pas trop. Quoi. Ouais. Alors, le troisième bus. Je sais pas, ouais, ça a l'air d'y aller, mais l'autre il a l'air plus il a l'air plus court le pas de vis, c'est bizarre. Je dirais que ça prend la peine quoi. Ça, c'est un truc, faut pas trop rigoler, là, ça prend. Tu niques la couronne. Là ça force. Là. Mais là, il... Je sais pas. Alors, c'est du combien, ça, déjà? Je dirais 12. Allez, on va tester ça. Je sais plus trop lequel c'est. Je dirais 12. Ah oui, on ne pouvait pas passer, je crois, avec la clé comme ça. Oh bordel. Non, c'est pas 12. C'est un peu ces merdes. Bon ben j'ai tout.
je vais vous épargner le vissage, il n'en porte je sais pas combien. Et voilà, démarreur remonté, les fils sont mis. Donc là concrètement, il manquerait le circuit d'essence. Donc un filtre à essence, d'eau d'urite, bon ça c'est pas un problème, l'urite, mais le filtre j'en ai pas et voilà quoi. Là, à cette heure-ci, j'en trouverai pas, ça m'étonnerait. Donc je vais pas m'emmerder là. On va arrêter là, on a monté le plus gros quand même. Je manque trop fort, hein. Voilà. Bon, je range un peu les outils et on passe sur la TZD pour les vis d'échangeur. Allez, on continue sur celle-là. Ça y va, d'accord. Ça, là, ça fait tout à l'heure, là, ça fait travailler. Oh, cette voiture, là. Et taf, dessus, la femme. Donc il y a un long, je pense que ça va être le premier. Ça va être celui-là. Le tuyau là-bas, ça va rassurer. C'est le premier. On va prendre ça. C'est pas un il ne faut pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Comment était sa messe? Il est plutôt... Ah, je l'aime, que je l'aime. Toujours en panne, là. C'est la force. Force de la main. Oh, mais c'est... il y a une petite encore. Oh, il n'y a pas de chance. Ça. C'est bien loin ici. Pas qu'on va le descendre. Est-ce que ça va pas? C'est pas du tout.
on va le remettre un peu. Voilà, il y a un 20 qui est là. C'est cette poubelle là. C'est une sacrée poubelle. Et l'ABS, attends, on va tout couper. Ça ne sera plus un peu calme. Oh mais c'est gavant, hein, bon. Les voitures ont toujours en panne avec les moteurs pétés. Ah, ça sera ce problème. C'est fou ce bagnole. Là ça risque pas de rouler, ça y est pas. Comme je l'ai vu, c'est ça, si ça y est pas. Ok, là ça va, mais pas là. Et c'est ça. On va lui prendre le changeur ici. Lui, il risque pas de tomber en face, il a la vie de quasiment. Mais on dirait que ça va pas finir.
ici. Celui-là, ici. Je comprends pas pourquoi il correspond pas à celui-là. Je suis ça peut être le bon échangeur. Bon, mais j'ai pas pu mettre mon truc comme il faut. Ça va. Le turbo il arrive pas là où il faut. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là. Je me rappelle pas moi. Il y a déjà 2-3 ans de ça, de changer le moteur. Donc, et quand j'ai récupéré les vis d'échangeur, il y avait l'échangeur aussi. Je l'ai pas piqué, c'est un copain qui veut récupérer le moteur. Donc, pas que les bestioles aillent dans l'admission. Ouais, je sais pas. Il y a un truc là. Parce après, c'est un moteur Exantia aussi. Exantia, ils ont pas l'échangeur au-dessus, ils ont l'échangeur ailleurs. Donc j'avais changé la pipe et tout. Donc il faudrait pas, en fait. Il faudrait pas que ce soit une pipe de BX. Et etc. Donc ça expliquerait pourquoi ça y va pas. On regardera ça tout reposé. Voilà, bon. De toute façon on va aller faire un petit tour de BX16 TRS avant de la ranger parce qu'elle n'est pas encore prête. Allez à laisser. On va aller rouler un peu sur la route. Je vais prendre mon support pare-brise et on discutera un peu en même temps. Bon, alors je voulais essayer. Les trucs ventouses, là, vous savez. Là. Celui-là, alors celui-là, il tient pas, on peut pas le serrer. Et l'autre, n'en parlons pas. L'autre, il tient même pas 2 secondes. Donc, on va laisser tomber. Hein. On va faire un petit tour comme ça, tranquille. Et voilà. On va pas s'emmerder les trucs comme ça. Je me rappelle maintenant pourquoi je m'en sers pas. Votre ceinture, ah, on va tout faire de toute façon, une chose après l'autre en principe, mais nous on en fait 50 donc. Ah ben c'est la vie, faut entretenir des fois. Comme on n'entretient rien, forcément, c'est ce qu'on doit faire.
est froide, soit il y a un truc là, mais vraiment, un truc qui n'y a pas là. J'accélère à fond. Alors le chiffre il marchait là, je sais pas pourquoi il marche plus. Et ces voitures, ça faut pas que ça soit arrêté. Non, ça va mieux là, j'ai l'impression. Après il fait froid chez moi. L'éthanol ça aime pas bien le froid. Le froid ça aime pas bien ça, le froid. Retrouver une ventouse qui tient cette fois-ci. Je sais pas dans quel magasin trouver ça, mais de nos jours c'est pas évident de trouver quelque chose qui tient le coup. Un peu d'essence à l'époque et le reste en éthanol quand il faisait froid comme ça là. Tu vois, là il caille au soir, je sais pas comment il fait là, mais là c'est vraiment pas les bonnes températures, c'est pas les températures de l'été. Oui, on aurait été un peu dans le chemin là, où, le chemin. Ah oui, attendez. Attendez les amis, on va peut-être faire du chemin. On va faire demi-tour en haut. Et on va faire du chemin. Plutôt déjà en réserve, oui. 10 litres au 100 mètres, fait. C'est-à-dire qu'une jetée, histoire. Nom de Dieu. Demi-tour, je reprends, mais je peux pas tout faire, c'est pas possible. Ah, j'ai fait demi-tour. Il n'y a pas l'air chaud, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est gelé, l'air est gelé, carrément. Mais pas, je sais pas. Bon, mais voilà, on est de retour. On est de retour. La petite balade s'est faite. Il y a du déconnage quand même. Ça déconne pas mal. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a un truc qui déconne. Hein. Trop fort, rien, mais bon, faut le regarder. J'aurais dû me pencher rien que sur cette voiture cet après-midi. Et j'ai voulu tout faire. C'est pas grave, voilà. Petit à petit ça avance. Ouais, je trouve ça bizarre. Ouais. On verra. Je reprendrai. Je vais
vais chercher sur Google le réglage de carbu et je vais le reprendre entièrement parce que là. Voilà, elle marche bien comme ça. Mais des fois elle marche. Voilà, elle tourne où là? Le chauffage marche plus. Ouais, air froid. Oh, elle a tourné une heure la voiture, faut pas me dire qu'elle est pas froide hein, parce qu'une essence c'est. Une essence c'est 3 minutes, t'as de l'air chaud. Ah oui. Donc là il y a un truc qui a pas. On verra bien. On va ranger tout ça et ça fera bien. On va se mettre au chaud. Voilà les amis. Bon ben en espérant que ça vous a pas trop saoulé, hein, on aura bricolé un peu ensemble. Hein, avec le vent et tout ça. Et voilà quoi. Demain on verra bien. Si. Ouais. De toute façon, il faudra la régler parce qu'on ne va pas rouler comme ça. T'accélères, ça. Des fois ça accélère plus tard. C'est très très bizarre comme truc. Hein. Là vraiment. Je sais pas. Je sais pas. On verra ça. Mais avant de faire le balade de la boue, il faut que ça tourne rond, quoi, parce que là, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. Déjà, le chauffage marche pas, ça marchait et ça marche plus. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais, je sais pas. J'ai voulu remettre du refroidissement, impossible d'ouvrir le machin si on sait une faciale. Une heure après, quand même, hein. Une heure qu'elle a tourné. Donc, moteur froid, il y a un truc qui va pas, cette voiture. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui va pas. Bon, et eh bien je vous laisse et en espérant que demain ça sera meilleur. Passez un bon week-end et faites attention à vous. Allez, bye bye, bon appétit, bonne soirée.